Le bâche, le général, comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne année. Merci. Madame, ça va? Comment ça va? Très bien. Bon, extrêmement bien. C'est pas facile, la scène. Toi, tu as fait 8 ans, c'est ça? Comment ça va? Bonjour. Donc, oui, effectivement, nous venons d'être reçus en audience par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, nous sommes arrivés effectivement depuis hier. Nous avons profité de cette audience pour d'abord remercier le Président de la République pour le soutien à notre nomination à la tête de la BCEAO en tant que gouverneur. Et nous avons également profité de cette occasion pour faire un peu le point de la situation au niveau de la Banque centrale, au niveau du secteur monétaire et financier de la sous-région. Et bien entendu, nous avons parlé de la Guinée-Bissau. Nous avons profité de l'occasion pour indiquer que les indicateurs macroéconomiques dans l'ensemble sont bien orientés, puisque la croissance en Guinée-Bissau en 2022, on a connu une croissance relativement solide qui devrait se poursuivre en 2023. Et d'après les chiffres, on devait être au-delà même de 6% en 2023. Bien sûr, l'inflation est une préoccupation un peu comme dans tous les pays de l'UEMOA, puisque compte tenu des tensions géopolitiques dans le monde, des crises au niveau de la sous-région, l'inflation reste élevée et donc on devrait être au niveau au-delà de 7% dans la région du UEMOA et au niveau de la Guinée-Bissau également. L'inflation reste élevée, mais nous avons salué des mesures qui ont été prises par les autorités bissau-guinéennes pour faire baisser l'inflation, comme c'est le cas un peu dans tous les pays de l'UEMOA. Donc au niveau de la Banque centrale, nous allons continuer bien sûr à faire notre part pour lutter contre l'inflation, pour ramener l'inflation au niveau des objectifs de l'Union monétaire, qui est une inflation qui ne devrait pas dépasser 3%. Donc nous travaillons et nous allons contribuer également à ça. Nous avons également évoqué la situation du secteur bancaire en Guinée-Bissau. Dans l'ensemble, la situation du secteur bancaire est bonne. Les financements de l'économie sont soutenus. Le taux de croissance moyen de plus de 10% de l'économie bissau-guinéenne. Donc les banques jouent leur rôle. La situation bancaire est bonne. Comme je dis, les banques sont rentables. Les crédits à l'économie sont soutenus. Et donc, bon, mais comme d'habitude, dans toutes les situations, il faut rester très vigilant et donc mettre l'accent sur les points de risque. Et donc, ce sont ces questions-là que nous avons évoquées avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour continuer vraiment à travailler pour régler toutes les questions qui sont en suspens pour que le secteur bancaire continue de financer l'économie, reste solide et joue son rôle donc, de soutien au secteur public et au secteur privé d'une manière générale. Au niveau de la Banque centrale, nous continuons à faire en sorte que les banques restent en mesure donc, de faire ce rôle, de jouer ce rôle. Et donc nous allons poursuivre ce soutien. Donc voilà un peu les questions que nous avons évoquées avec le président de la République. Et pour vous dire que dans l'ensemble, que ce soit au niveau de la Guinée-Bissau, au niveau même de l'Union monétaire, le secteur financier, le secteur bancaire reste quand même très solide. Et qu'il faut continuer à travailler, à veiller à ça pour qu'on ait une stabilité financière. Au niveau de la Banque centrale, nous allons continuer, comme je dis, à jouer notre rôle pour donc atteindre ces objectifs. Merci.